Bonjour à tous, c'est Brophy. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demandée par The Black Powder, donc big up à lui, sur le suivi de mes colonies. Alors là, c'est une reine Crematogaster scutellaris que j'ai trouvée en septembre, qui est dans un tube à essai. Donc vite fait, pour ceux qui ne savent pas comment on fait un tube, il faut d'abord, mettre un coton, il y a un espace de vie, il y a encore du coton et de l'eau. Mais il faut faire ça dans l'ordre inverse en fait, sinon ça marche pas. Donc j'ai aussi, il me reste aussi une petite colonie de Crematogaster scutellaris qui malheureusement a beaucoup subi vu que je m'en suis peu occupé. Donc voilà, on peut voir qu'il y a des mortes là dans les salles, il y en a même à l'extérieur et il reste pas beaucoup de fourmis. Ici, on peut voir qu'il y a des petites ouvrières qui s'occupent de couvains. Donc voilà, elles s'occupent. Elles sont dans les salles là, celles tout en bas. Il y a aussi des œufs. Là on peut les voir, où j'ai entouré, et une ouvrière qui vient à peine de naître, donc c'est pour vous montrer qu'il y a encore des naissances. Donc voilà, il y a des petites larves, au fond de la salle on voit pas très bien mais il y a aussi des œufs. Je leur ai donné à manger de l'eau sucrée tout simplement, et aussi du poulet, elles ont bien aimé. Donc voilà, si vous voulez encore de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et dites-le dans les commentaires. Ciao!